Bonjour et bienvenue à la série Aînés en mouvement. Cette semaine, nous avons un thème qui fera plaisir à bien des gens, le loisir. Le loisir englobe un large éventail d'activités. Elles peuvent être culturelles, artistiques, sociales ou sportives. Elles poursuivent donc divers objectifs tels que la mise en forme, la détente, la découverte, l'apprentissage ou la rencontre avec d'autres personnes qui partagent notre passe-temps. Les bénéfices de la pratique régulière d'un loisir sont nombreux à tous les âges. Une baisse du stress, une amélioration des capacités cognitives, une santé physique et mentale améliorée, une meilleure participation sociale, une plus grande confiance en soi et du plaisir tout simplement. Écoutons d'ailleurs le Dr Stéphane Lemire, gériatre à la Fondation Âge, à propos de l'importance de mener une vie active auquel les loisirs contribuent de façon notable. Il y a un programme qui s'appelle Vivi Frail, entre autres. C'est un programme qui vise à adapter des exercices aux personnes fragilisées par un vieillissement accéléré ou plus marqué. Puis ça permet d'arriver à des exercices vraiment adaptés en utilisant du matériel de la vie de tous les jours, des cannes de poids, des cannes de tomates qui sont plus grosses, on est plus capable, des exercices qui touchent l'équilibre, des exercices qui vont toucher plus le cardiovasculaire. Bref, toujours en mode adapter les choses à nos capacités. C'est comme à n'importe quel âge, au fond, si je ne suis pas en forme puis que je commence à m'entraîner, je ne le ferai pas le marathon. Mais si je le fais de façon constante, puis que je l'augmente graduellement, bien, je vais y arriver. Puis ça reste vrai à tout âge. C'est ça qui est fascinant du corps humain, c'est que à tout âge, tu peux avoir ces bénéfices-là. Tu peux, tu sais, plutôt que d'être sur la courbe des gyms comme ça, elle fera peut-être pas ça. Comme, tu sais, elle montera peut-être pas aussi vite que quand on est jeune, mais elle va peut-être baisser moins vite, puis graduellement, on garde nos capacités. Ouais, je pense qu'il faut aussi trouver les conditions dans lesquelles les gens vont aller chercher du plaisir. Oui. Moi, j'animais des groupes de marche. Mm-hmm. C'était pas vraiment populaire. Puis on est allé marcher en forêt. On a changé complètement la dynamique au sein du groupe. Mm-hmm. Puis maintenant, ces gens-là demandent d'aller marcher en forêt. Uh-huh. Ou dans des milieux plus naturels. Là. Oui. Donc, puis c'est... Pas juste marcher pour marcher. Marcher ensemble dans un bel endroit. Oui. Exactement. Bien, contact à la nature. Exactement. Là, je pense que vous touchez des points vraiment importants. Puis encore là, on revient à plein de choses qu'on a dit déjà. Faut trouver quelque chose qui va nous donner le goût de persister, de la motivation, trouver des gens qui vont nous aider à rester motivés aussi. Oui, il y en a qui vont aimer ça, aller marcher au centre d'achat parce que l'été, c'est climatisé, il fait moins chaud. L'hiver, c'est pas glissant. Il y en a qui vont détester ça pour mourir. Bien, il faut trouver d'autres types d'activités. Ou l'accepter, puis trouver son compte en allant se payer une petite gâterie, là, un petit biscuit avec un café. Tu sais, on peut trouver un juste milieu. Le but, c'est pas de devenir des assiettes, là. c'est toujours un équilibre. Bien, le club de marche a pris naissance il y a environ 7 ans. Mais c'est transformé en club de marche formel il y a 6 ans. Vous avez beaucoup de membres? Nous sommes environ 100 de membres, dont la moyenne d'âge est autour de 66 ans. Ah, d'accord. Et vous faites beaucoup d'activités à l'année longue? Ou... À l'année longue, les 4 saisons, donc autant en été qu'en hiver. Fait qu'on va dans des sentiers là, pédestres sur le réseau là, des sentiers forestiers là, de la côte de Beaupré et du massif de Charlevoix. Donc, vous avez plusieurs membres qui sont des personnes aînées. Pouvez-vous nous dire ce qui les attire dans cette... pas dans le club nécessairement, mais dans le fait de marcher? C'est surtout la mise en forme, puis le réseau social aussi que ça nous procure. Parce que marcher toute saison, dans toutes les conditions, puis en sentier aussi, en forêt, ça ressource les gens, ça permet de socialiser, c'est des regroupements qui sont favorables à notre santé mentale parce que ça nous rend dynamique. Les sujets sont plutôt légers, on va se le dire.
Mais et physiquement, ben, ça nous permet de marcher, d'être bien en forme, parce que c'est une activité qui est tous les matins, qu'on peut s'inscrire tous les matins ou à notre guise selon notre disponibilité sur semaine actuellement. Et ça nous permet aussi de parcourir toutes sortes de niveaux. Des fois, c'est des terrains plats, des terrains plus accidentés. Alors, on choisit selon notre capacité physique pour se promener à travers tous les sentiers boisés. Puis étant donné qu'on est en forêt, bien, c'est inspirant. C'est bon pour le moral. Quand on dit aux 10 minutes, c'est donc bien beau ce matin, puis c'est beau, la nature se découvre avec les couleurs à l'automne, mais se renaît au printemps, bien, c'est toutes sortes de découvertes. Et, les heures sont changeantes, c'est jamais... C'est ça, c'est très favorable à l'exploration aussi de toutes sortes de découvertes en nature. Je travaille au Jardin de la Côte depuis 15 ans. On s'en va sur notre 16e année. Ici, au Jardin de la Côte, bien, je planifie, j'anime et j'organise des activités le plus variées possible pour rendre les gens le plus heureux possible aussi. Alors, je donne des cours d'exercice physique, de mise en forme intellectuelle. Il y a toutes sortes de choses. On ne s'ennuie jamais au Jardin de la Côte. Donc, vous travaillez avec les aînés, personnes aînées. Oui, vous nous belle dire... clientèle. Oui, pouvez-vous nous parler un peu du plaisir que vous procure votre travail? Ou le contact avec les personnes aînées? Oui, c'est... Et de un, la raison principale, c'est que du bonheur. Et puis, ben, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour la gratification. Les aînés m'apportent beaucoup, et, dû à leur expérience. Et puis, j'adore travailler au Jardin de la Côte. Monsieur Guy, j'aimerais que vous me parliez des activités auxquelles vous participez ici. Au moins 4 fois par semaine, 2 fois d'exercice physique, le lundi, mercredi. Le mardi, on a le club de marche, on fait à peu près 3/4 d'heure de marche. Et puis l'aquaforme le vendredi. Donc, vous participez à plusieurs activités, vous oui. êtes actif. Oui. Ah oui, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Est-ce que, justement, le fait de participer à ces activités vous procure un bonheur de partager, de voir des gens? C'est sûr. Puis de voir des gens, puis de faire des nouvelles connaissances. Sociabiliser ben avec oui, des puis gens. On profite de ce qu'ils nous apportent. Puis on espère qu'on ne les dérange pas trop non plus. Est-ce que vous croyez, M. Guy, que le fait de participer à ces activités, si les gens faisaient un peu la même chose, est-ce que notre société se porterait mieux? Oh ben c'est sûr, hein? Parce qu'on est fait pour s'entendre, se communiquer. Puis on n'est pas fait pour vivre seul. Hein? J'ai toujours aimé cuisiner. Je l'ai appris de mes sœurs aînées quand j'étais jeune, puis un peu, puis ma mère aussi. Puis c'était des gens dans cette période-là, pendant la guerre, qui étaient créatifs. Ils n'avaient pas grand-chose à manger, mais ils avaient le talent de créer avec rien. Et je pense que c'était peut-être partout ailleurs, même ici. Ça, on parle souvent d'art culinaire. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'art, comme on voit ici, des créations, des tableaux, mais il y a aussi de l'art culinaire. Oui, donc, oui. Pour vous, c'est la même approche créatrice, je veux dire. Oui, bien, j'aime ça. J'aime ça, cuisiner vraiment. Là, puis, je me suis marié seulement à 60 ans, alors j'ai eu le temps d'apprendre un peu. Puis, avant? J'étais abonné à des bonnes revues italiennes pendant bien des années. De belles revues. Ça m'a toujours intéressé, mais je me débrouille, disons. J'ai organisé aussi quelques soupers peintres au fourneau, la Camarine, dans les périodes qu'était la Camarine, c'était un des meilleurs restaurants au Québec. Oui, oui. Et puis, en l'automne, ben, je faisais 2 fins de semaine peintres au fourneau. Alors, c'était des mets italiens, puis je remplissais la salle comme il faut. Non, c'est une période où j'étais plus jeune. Disons qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins. Là. Le repas est souvent vu comme un lieu, un moment festif. Oui, une occasion de rencontre. De rencontre, oui. Ouais. C'était aussi beaucoup de mes clients qui venaient. D'ailleurs, on m'a demandé il y a quelques années de faire ça ailleurs. Non, j'ai dit, il y a une période pour ça. Hein. Chaque chose a son période dans la vie. J'ai toujours eu besoin d'être occupé. J'avais besoin d'être occupé, occupé à différentes affaires. Puis même après la retraite, quand j'ai lâché tout ça, bien, écoutez, je m'étais dit, même si je prends ma retraite,
j'ai le choix de rien faire. Mais non. Le jour que j'ai pris ma retraite de la politique, je me rappelle très bien, j'avais assermenté le nouveau maire, mettons, comme aujourd'hui. Demain matin, j'embarquais dans mon campeur, je m'en allais en Floride. Alors, je voulais couper les ponts, puis en même temps, je voulais voyager. Alors là, on a pris le campeur, puis on a voyagé. On a fait pratiquement tout le tour du Canada, pas loin, pendant plusieurs années. Là. Bien, mes étés passaient à voyager, puis l'hiver en Floride. Ça fait que le jour que j'ai pris ma retraite, c'était l'automne, à sermenter le nouveau maire, Floride. Je suis revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, mai, juin, on est reparti. Là, on voyageait. L'hiver d'après, en Floride. L'été, on voyageait. Alors, j'ai fait le tour du Canada en détail, en détail. J'ai pris le temps d'aller partout, visiter partout. On est monté en Alaska. On a fait toutes les provinces en visitant énormément. Les Maritimes, tout y a passé. Il nous reste Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est dans les plans. C'est dans les plans pour cet été. Je ne sais pas si on le fera, là. C'est pas décidé final, mais tout est planifié, tout est réglé, le nombre de jours, puis qu'est-ce qu'on fait, tout ça, c'est réglé. On est ici aujourd'hui pour vous rencontrer parce que vous êtes un joueur de quilles. Donc, j'aimerais probablement savoir, depuis, est-ce que vous jouez depuis longtemps? Ici, à Beaupré, je fais 15 ans. 15 ans? Oui, vous... je fais à peu près 15 ans, je demeure ici. Puis, mais avant, vous jouiez déjà? À Loretteville. À Loretteville. Ouais. Donc, votre carrière s'étale sur 30 ans, 40 ans? Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport? Bien, on cherchait, nous autres, on est arrivés par ici, puis on voulait connaître le monde. Vous et votre conjointe? Oui, oui, moi et ma conjointe, on voulait connaître le monde, puis participer à des activités pour nous faire bouger un peu. Puis on a commencé à rentrer dans les lignes, dans la ligne de quilles qui existe présentement. Ça fait une quarantaine d'années qu'elle existe, la ligne. Cette ligue-là du oui, mardi? Du mardi, ouais. Oui. Donc, vous jouez plusieurs fois par semaine? Moi, je joue seulement qu'une fois par semaine. Une fois? Oui. Puis êtes-vous un bon joueur? Un bon joueur. Bon joueur. Au-dessus de 200 de moyenne. Aimez-vous un petit peu la compétition? Ou... Oh, aujourd'hui, on s'occupe plus de la compétition. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est d'avoir du plaisir avec les gens, d'accord, puis faire bouger les gens. Les gens de troisième âge, on aime ça, puis on veut les faire bouger pour qu'ils soient actifs, surtout d'accord, actifs. Nous sommes vraiment dans un endroit là, privilégié. Là. Il y a beaucoup de sentiers forestiers. Ici, nous sommes présentement sur un sentier privé. Donc, c'est un monsieur qui donne accès à sa terre. Nous avons aussi d'autres sentiers privés, là, autant du côté de Saint-Tite-des-Caps, Saint-Ferriol, Saint-Anne-de-Beaupré, puis aussi, naturellement, le parc du Mont-Saint-Anne, donc là, tout ce qu'on appelle le centre de ski de fond là, sur le rang Saint-Julien. Il y a tout un réseau là, de sentiers là, pédestres là, très, très intéressants. Il y a aussi Cap Tourmente, où nous allons là, fréquemment, ainsi que les sentiers des Caps du massif de Charlevoix, là, autant du côté de Saint-Tite-des-Caps que de Petite-Rivière-Saint-François. Pour bien vieillir, il faut rester actif. Il faut marcher, il faut faire des activités qu'on est capable de faire. On ne dit pas nécessairement qu'il faut faire des marathons. Hein. Pour être en forme, il faut faire de l'activité physique régulièrement, 30, 40 minutes, tous les jours, mais tu sais, marcher, se lever de sa chaise. Après l'émission, aujourd'hui, bien, se lever de sa chaise, circuler, marcher, pas rester inactif. Faut bien s'alimenter, faut, oui, se faire des petites gâteries au niveau alimentaire, mais pas non plus exagérer. Faut avoir une alimentation assez équilibrée, faut avoir des contacts hein, avec les gens, idéalement, donc... être actif au plan cognitif, rencontrer nos amis. Le fait qu'on ait un rendez-vous avec un club, ça nous donne aussi une belle occasion. Donc, c'est motivant. Il y a des matins, il y a des personnes qui voudraient rester à la maison parce qu'ils ne filent pas, mais ils avaient donné leur nom pour s'inscrire à la marche de la matinée. Bien, c'est un facteur motivant. Donc, il y a un effet d'entraînement. Vous avez un côté artistique. Donc, vous auriez déjà produit de la musique, je ne sais trop. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, je vais vous dire, ça a commencé quand je me suis marié avec mon épouse Lucille. Lucille jouait de l'accordéon. Puis tranquillement, pas vite, je me suis mis à chanter avec Lucille à la maison pour le fun, dans le temps des fêtes, tout ça. Puis après ça, bien, rendu en Floride, j'ai eu la chance d'habiter sur un
de vivre sur un terrain de camping qui avait des galas d'amateurs à tous les vendredis. Ah bien là, bientôt on s'est dit, voilà une belle occasion de pratiquer nos chansons. Alors tous les vendredis, on était présents au galas d'amateurs. Et puis on est allé sur un deuxième camping, c'était encore pareil, c'était du karaoké, mais c'était un peu semblable. Alors on a pratiqué, puis on a chanté. Bon, bien, on s'est dit, pourquoi qu'on ne les enregistrerait pas? Alors, on les a enregistrés au studio Fernand Pelletier. Il est bien connu sur la Côte-de-Beaupré, Fernand. C'est un bon joueur de musique. Alors, Fernand Pelletier, on a fait 4 CD avec lui. On a enregistré 4 CD de 14-15 chansons chacun. Ça fait qu'on a une soixantaine de chansons à notre crédit, puis enregistrées. Ça veut dire que si ma femme vient qu'elle puisse être capable de jouer de l'accordéon, on aura notre musique pareille. Mais vous êtes un instrument ou vous chantez? Non. Vous chantez? J'accompagne. Ah, c'est bien. Ouais. Non, je ne suis pas un joueur de musique, je suis un chanteur. Puis quel style de musique? C'est de l'accordéon? Accordéon. Mais une musique un peu folklorique ou... Ah non, les chansons populaires des années 60. Ah, OK. Surtout, les chansons qu'on a connues. D'accord. Les chansons des années 60. 50, 60, peut-être 70 un peu, très peu. Vous nous parler un petit peu de la Ligue qui la compose? La Ligue, elle compose... présentement, on a un peu de misère cette année. On est 24 joueurs au lieu de 30 joueurs. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'essayer de récupérer du monde n'importe quel âge, qui ont joué, qui ont déjà joué, qui n'ont jamais joué. Ça va nous faire plaisir de s'en occuper. On s'occupe des gens. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes dans toutes les régions, entre autres sur la Côte-de-Beaupré. Il y a des lieux de rencontre, si on veut, pour les gens. Donc, c'est de se refaire un réseau quand il s'effrite un peu. Profiter du réseau de gens qu'on connaît aussi. Tout ça pour favoriser un vieillissement le plus normal. À défaut d'une meilleure expression, disons, on va utiliser ça, là. Mais... c'est un vieillissement qui nous convient, qui nous permet de réaliser nos aspirations réalistement, mais de quand même faire des choses. Bref, avoir du plaisir, le mot qui me vient, c'est avoir du plaisir. Bien, avoir du plaisir, exactement. T'sais. Puis sortir de la mentalité où vieillir, c'est négatif. On le disait tantôt, il faut sortir de cette mentalité. Là, se réapproprier un peu la vie. Là, on n'est pas les maladies qu'on a, on n'est pas les incapacités qu'on a, on n'est pas... Il faut prendre ce qui nous reste puis essayer de faire le maximum, au fond. En couple, en famille, avec les petits-enfants, on les initie aussi à la marche avec les sentiers qui sont à proximité de la maison. Dieu merci, c'est plus facile. Alors, on les amène aussi dans les boisés. Toi aussi, tu fais ça avec Oui, c'est ça. Mais le club, formellement, c'est plus des personnes âgées. Donc, on disait la moyenne d'âge est de 66 ans. Il n'y a pas vraiment d'enfants qui sont inscrits au club. En tout cas, étant donné que nous marchons la semaine, du lundi au vendredi, donc c'est les 5 jours de la semaine, donc les enfants sortent à l'école, etc. Fait que, donc ça motive plus les personnes plus âgées. Mais dans la mesure où on est des marcheurs, oui, c'est ça, on va dire. La fin de semaine ou lors des occasions, c'est comme une activité facile et dans laquelle on entraîne facilement la famille, les enfants et les petits-enfants aussi. C'est une détente, le hockey. Puis, discuter avec les gens aussi, toutes les semaines, des petites... qu'est-ce qui se passe dans la vie, puis qu'est-ce que le monde préfère à jouer. Puis, c'est très agréable. Donc, c'est une manière de sociabiliser aussi? Oui. Diriez-vous que votre ligue est un lieu de rencontre? Oui. Ah oui, c'est un lieu de rencontre. Toutes les semaines, cette semaine, il nous en manquait quelques-uns. Là. Il y a la maladie... la grippe et toutes sortes d'affaires là, qui arrivent, mais ça va très bien. Vous aimez marcher l'hiver? 4 saisons. 4 saisons. Il n'y a pas de mauvais temps. On peut annuler une randonnée s'il y a des froids extrêmes, vraiment très, très, très froids. Mais en temps normal, là, même un froid important, on va marcher. Même en cas de pluie, si c'est une pluie qui n'est pas intense, on va aller marcher. Bien, c'est ça. Puis il y a des fois qu'on a commencé la randonnée, il faisait beau, puis là, la pluie arrive, puis avec des grosses averses, on continue la randonnée. Tant qu'à être mouillé, on est mouillé un peu plus. Au bonheur. Au bonheur, oui, ça donne un certain
un bonheur aux gens qui viennent jouer une fois par semaine. Ça les fait sortir de la maison. Puis ça leur fait plaisir de discuter avec, entre tout le monde. Tout le monde devient des bons des amis. Hein. Oui, donc oui, il y a beaucoup de l'amitié qui se fait entre les personnes. Donc, on a aussi la possibilité d'accueillir là, des personnes à mobilité réduite pour des randonnées occasionnelles. Donc ça, le club de marche peut offrir ça. Donc, il y a moyen d'organiser ça. C'est intéressant parce que des fois, c'est une personne dans le couple qui a une limitation physique. Voilà. Le conjoint n'est pas contraint, donc il peut participer. Et... Voilà. On ne sort pas la joëlette à toutes les randonnées, donc c'est quelques fois là, par mois, dépendant là, des besoins. Là, puis sur des terrains, des conditions. Sur des terrains plats aussi, pour faciliter. Oui. Vient en tête un exemple, M. Marcel Jobin, qui est un marcheur olympique hein, dans les années 70, il a gagné des médailles. Il a toujours continué. Il ne bat plus ses records de ce temps-là, mais il a continué. Lui, c'est ça qui le fait vibrer. Hein? On l'a vu dans les médias dans les dernières années. Je ne sais pas où il en est, mais bref, c'est un bel exemple qu'on peut continuer à être actif, même en vieillissant. Puis je ne dis pas aux gens de devenir des Marcel Jobin. Je dis aux gens de rester actifs selon leurs capacités. Puis même chez les personnes qui vieillissent de façon accélérée, ou chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, on sait que l'activité physique va contribuer à une amélioration de la condition de la personne. On est capable de faire des programmes d'exercice adaptés. On n'a pas besoin nécessairement de voir des physiothérapeutes, des kinésiologues, de compliquer les affaires. Il y a des programmes assez simples qu'on peut faire. Il y a des organismes qui font ça. Souvent, avec les loisirs, on est capable d'avoir ce genre de service-là. Bon, ça doit partir de 65 ans à 92 ans. 92 ans. Oui. Ah. On a deux personnes des années 90 ans. Deux personnes. Puis en moyenne, les gens ont quoi, dans 70, 75? Oui, 70, 75, ça joue beaucoup dans ça. Ah, c'est excellent, ça. Entre 75 et 80 aussi, il y en a plusieurs. OK. Oui. Ah, c'est bien. Puis 90 ans passés, C'est bon. C'est se tenir en forme. Oui. C'est très bien. Faire un exercice. Oui. En plus de voir du monde puis de discuter. Bien, ça pratique l'agilité, l'équilibre. Un peu aussi le sens de l'humour, parce que ces quilles-là, elles ne tombent pas toujours quand même quand on pense que lancer est bon. pratique la patience. Oui. Niveau des conseils pour les personnes aînées qui souhaiteraient s'initier à la marche, pour les motiver ou les amener à essayer ça? Se faire une routine. Se faire une routine, se donner un rendez-vous avec un compagnon. Un, deux, trois. Donc, ça donne des rendez-vous et c'est ça qui fait qu'on devient fidèle à un exercice, souvent. Puis si une personne est craintive, mettons qu'elle n'est pas inscrite encore au club, ça peut faire peur un peu d'embarquer dans un groupe de marche. Si l'intensité est trop intense par rapport à sa capacité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir un horaire qui va faire en sorte qu'on va avoir plusieurs sentiers de niveau facile. Donc, lorsque nous envoyons la cédule le dimanche pour les cinq jours de la semaine, on va préciser si c'est facile, intermédiaire ou intermédiaire avancé. C'est quoi la distance? 5, 6, 8, 10 kilomètres. Fait que dépendant de ces paramètres, puis le niveau de difficulté, là, si c'est un... Il y a des montées et des descentes, on va le préciser. Là. Puis là, la personne, bien, en fonction de ces caractéristiques-là, va dire bon, je me sens plus à l'aise pour tel type de randonnée. Donc, elle peut s'inscrire à ces randonnées-là. Puis avec le temps, la confiance puis la forme physique s'améliore, bien là, la personne peut passer à d'autres niveaux. Que le fait de pratiquer ce jeu-là amène les gens à... pratiquer d'autres activités sportives ou d'autres jeux? Les autres, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis un joueur de pickleball. Je joue deux, trois fois par semaine de pickleball. C'est devenu assez populaire, ça aussi? Oui. Une ligue encore? Oui, c'est un club. On est 91 membres. Bien, je ne peux que vous souhaiter encore de belles années, de beaux voyages. Vous irez en Europe. Vous irez en Asie. L'Europe, j'ai pas été beaucoup. J'ai été seulement qu'une fois. J'ai fait Paris avec un petit saut en Écosse. Mais dans ma façon de voir les choses, je voulais visiter le Canada au complet avant de commencer à aller voir ailleurs.
Et puis, le prochain coin que j'irai faire à l'extérieur, ça sera probablement Cuba, si on peut encore y aller. Ouais. Et, parce qu'on sait que politiquement, ils ont du dérangement de temps en temps. Alors, Cuba m'intéresserait, puis après ça, on va refaire un saut du côté de l'Europe. Et on voit qu'il y a des personnes aînées qui ont un âge avancé, qui sont très compétitives malgré tout. Mm-hmm. Bon, c'est peut-être pas une recette pour tout le monde, mais devrait-on encourager les personnes aînées à demeurer actives sur une base régulière, oui, sans nécessairement viser des exploits sportifs? Bien, tout à fait. Je pense qu'on est dans une société qui vise beaucoup la performance. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, même avec un vieillissement normal, parfait, là, c'est sûr qu'on a moins d'endurance. On a moins d'équilibre. On a moins de capacité cardiovasculaire. Tu sais, si on prend quelqu'un de 75 ans, en forme, qui se maintient, qu'on compare à quelqu'un de 25 ans qui est au sommet de sa gloire, bien, on ne peut pas arriver au même résultat. Mais en même temps, il faut sortir un peu de ce paradigme-là de la performance à tout prix, puis accepter que on le fait par plaisir. On le fait pour notre santé, on le fait pour rencontrer des gens, on le fait pour passer du temps avec nos petits-enfants ou nos enfants, on le fait, bref, pour plein de raisons. Au-delà de la performance, il faut accepter que la performance est moins là, puis adapter hein, des activités. Comme vous avez pu le constater, toutes les personnes entendues témoignent des bénéfices que leur procurent leurs activités de loisirs. Expérimenter de nouvelles techniques, rencontrer de nouvelles personnes, leur permettre de mieux s'épanouir. Le plaisir passe avant la performance. Renseignez-vous auprès des services de loisirs de votre ville ou de votre municipalité, ainsi qu'auprès d'organisations communautaires qui offrent diverses activités. Bref, se distraire est essentiel. Laissez-vous tenter par de nouveaux loisirs et pratiquez-les en bonne compagnie. Passez une très bonne semaine en mouvement et soyez des nôtres pour notre prochaine émission.